Alors, pour ceux qui ne connaissent toujours pas l'univers de Burn the Witch, il s'agit du troisième manga créé par Taite Kubo. A la base, Burn the Witch devait être simplement être un petit one-shot permettant de célébrer dignement les 50 ans du Jump, donc c'est sorti en 2018. Néanmoins, son retour très positif auprès de la communauté des fans de Bleach ont permis de propulser ce simple one-shot en série d'animation prévue pour cet automne 2020. En ce qui s'agit des informations inclusives à l'univers de Burn the Witch, ça se déroule au Royaume-Uni, donc plus précisément à Londres, et dans la même timeline que Bleach. Donc apparemment, c'est un Londres parallèle. Donc on a même pu apercevoir vers la fin du premier scan de Burn the Witch, car le premier scan est disponible gratuitement sur internet, je mettrai un lien en description, on a pu apercevoir l'intitulé Soul Society Branche Ouest. J'ai voulu lancer un petit accent anglais. Soul Society Branche Ouest. Donc c'est vraiment l'univers de Bleach, si je peux dire, pas au Japon, mais à Londres. Donc lorsqu'Ichigo et Rukia affronteraient des Stern Ritters au Japon, les personnages de Burn the Witch devaient sans doute affronter de gros dragons à coups de flingue. Car si les holos sont monnaie courante à Karakura et au Japon, ici ce sont un peu les dragons qui sèment la zizanie et la terreur. Et nos deux personnages principaux se doivent de faire régner l'ordre au sein de cette contrée anglo-saxonne. Voilà pour les grandes lignes de Burn the Witch. On ne sait toujours pas si l'œuvre se déroule avant, après ou en parallèle des aventures d'Ichigo, mais j'aime à penser personnellement que ça se déroule après la guerre d'Iwatch. Donc on en saura, on aura un peu plus d'informations, je l'espère, pour cet anime qui arrive cet automne 2020. Allez, c'est parti pour la petite review du trailer de Burn the Witch. Alors bonjour à tous, bienvenue sur la Gazette du Serietail. On se retrouve aujourd'hui sur mon ordinateur pour faire une petite react, une petite review du trailer Burn the Witch que nous a proposé Bandai Namco la semaine dernière. Donc le trailer il est sorti il y a une semaine, j'ai pris un peu de temps pour sortir cette vidéo parce que j'ai voulu faire un truc propre. Voilà, j'ai préféré faire un truc un peu propre que sortir ça tout de suite après le trailer. J'ai fait quelques petites recherches à propos du studio d'animation, de l'équipe qui travaille et tout ça. Et j'ai pour habitude de beaucoup parler, donc là on va commencer à regarder le trailer. Je l'ai regardé qu'une seule fois, parce que je voulais le redécouvrir une nouvelle fois avec vous. Et j'ai pratiquement tout oublié, hein. Bon, je sais qu'il y a des dragons, tout ça. Bref, on y va, c'est parti. Burn the Witch. Burn the Witch. この世界が本だったなら。ページは私がめくりたい。一旦距離を離そうよ。分かってます。ウィングバインドが処理しますって勝手に言われんのムカつかない？ムカつきませんよ。それが仕事です。人を害す異形の存在、ドラゴン。その姿を見ることができるのはリバースロンドンの住人だけ。必然的にドラゴンの保護と管理はその町の住人たちの仕事となった。先輩をちゃん付けで呼ぶなって言ってんでしょ。リスパック。二輪車の私のこと、ノエルちゃんって呼ぶならやめてあげてもいいですか。バーンザウィッチ。Ok, j'ai mon petit Google Point qui va m'aider à construire cette petite review. Alors, en humain, mon review de Burn the Witch, très bien. Voilà, donc Burn the Witch, hein, comme vous avez pu voir, donc il se passe dans un Londres alternatif, je tiens à préciser. Donc, ce trailer nous a été proposé par Bandai Namco, donc le 21 mars 2020. Info intéressante ici, on a... Il y a un petit lien pour le site Burn the Witch, donc j'ai un onglet ouvert, je vous montre ça en vitesse, donc voilà. J'ai mis en anglais parce que RIP le Jap. Voilà, donc c'est un petit site pour faire patienter à la sortie de l'anime qui nous permettra en automne 2020. Voilà, bon, en anglais, hein, pour nous, jeunes occidentaux.
Je sais pas ce que ça fait. Ouais, bon, c'est le trailer qu'on vient de voir. Voilà. Alors ça, c'est le logo Windbleed. Donc Windbleed, en fait, Windbind, pardon. C'est un peu les armées de la cour, mais version Londres. Donc voilà, c'est une organisation de sorcières, hein, tout simplement. Média, ouais, la page Twitter, voilà, l'anime, voilà, donc le trailer, voilà. Et mort. Bon, je sais pas, bon, je vous verrai ça, hein, je mettrai le lien en description. Mais voilà, il y a un petit site, Burn the Witch, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc ça sera un shonen, hein, très certainement. Ce qui est intéressant avec l'aspect shonen, c'est que ces deux personnages féminins qui sont centraux, donc Noël et... j'ai oublié le nom de l'autre, là, j'ai... Noël et... Nini Spangle, voilà, donc la blonde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très rare, les shonen, avec des personnages principalement féminins dans une œuvre. L'une des seules œuvres à ce jour que je connaisse avec des personnages féminins, c'est Solitaire, parce que c'était Malka Albarn, le personnage central de Solitaire, et c'est une fille. Mais il y avait Black Star et Kid qui l'accompagnaient, et ça a apporté une petite touche masculine, virile, si je peux dire, à l'œuvre. Alors que là, c'est les deux personnages centraux, du moins, c'est des filles, donc c'est très intéressant de voir ça. À ce qui me semblait, Bleach, ça devait être que Rukia à la base, donc on voit que Kubo va instaurer une petite touche girl power pas négligeable. On va voir ce que ça peut donner. Donc si vous connaissez des shonen avec des personnages principalement féminins, ça peut m'intéresser en commentaire, parce que j'en connais pas je n'en connais pas personnellement. Donc le studio d'animation, c'est Colorido. Alors Colorido, je connais pas personnellement, néanmoins ils ont fait le superbe film d'animation Les Pingouins, là, et je vais vous montrer voilà. Le mystère des pingouins, il est sorti cette année, hein. Il date de 2018, mais c'est cette année qu'il est sorti, je crois, et j'ai surkiffé. Et si on parle que d'animation pure, bah, c'était très beau. Après, c'est un film, hein. Donc les films, ils mettent le paquet en principe, mais franchement, le mystère des pingouins, je vous conseille. Si vous connaissez pas, c'est bon, c'est pas comme Your Name, mais on n'est pas loin, on est un peu dans cette cam là. Et ouais, le studio Colorido, ils ont fait aussi, ah oui, j'ai un lien, Pokémon Les Ailes du Crépuscule. Et franchement, j'ai regardé l'épisode 3 juste avant de faire cette vidéo. Et bon, c'est pas le sujet de la vidéo ici, hein, bon, même si c'est un peu lié, mais moi je suis un très grand fan de Pokémon. Hein, on me donne souvent des surnoms de Pokémon pour ceux qui me connaissent bien. Hein. Et franchement, l'animation de Pokémon Les Ailes du Crépuscule, il y a 3 épisodes à ce jour, je mettrai aussi un lien de l'épisode 1. Franchement, si vous êtes fan de Pokémon comme moi, c'est pas négligé, l'animation elle est super belle. Moi je leur fais confiance au studio Colorido, on ne sera pas sur du Bleach, je pense, en termes d'animation pure, mais là, du petit trailer qu'on a pu voir ensemble, la baston, c'est pas... du Zanpakuto et du Bankai à foison, donc ouais, on verra ce que ça va donner, mais le studio d'animation, je leur fais beaucoup confiance là, ça m'a l'air très prometteur pour l'instant. Là, pour la petite phase culture, on a Tatsuro Kawano au projet, donc de ce que j'ai pu voir, il a travaillé sur Psychopass, j'en dis pas plus, hein, Psychopass, un chef-d'œuvre. Shika Suzumaru pour le script, bon, j'ai pas trouvé d'informations sur ce personnage-là. Enfin, sur cette personne-là, pardon. Natsuki Yama non plus pour le chara-design. J'ai vu des... En tapant ça sur Google, j'ai vu des croquis, mais je sais pas si ça appartenait vraiment à Natsuki, donc j'ai préféré ne rien mettre. Et Keiji Inai pour la musique. Alors, ce qui est marrant, donc j'ai un petit lien ici. Kenji Inai, il a travaillé sur Shin-chan, donc c'est le petit Whiskity là qui est là. Donc, après, en ce qui s'agit de la musique, ça remonte, hein. J'ai 24 ans et Shin-chan, je m'attais ça, je devais avoir 5-6 ans. Ça remonte, mais c'est marrant. Il a travaillé aussi sur, que je connais personnellement, enfin j'ai pas vu, mais certaines Magical Index. Donc je crois que c'est un anime où ils ont des pouvoirs avec leurs doigts. Hein. J'espère que je dis pas trop de conneries. Et il a travaillé sur des jeux vidéo aussi, donc Gran Turismo, j'ai jamais joué. Hein. Gravity Rush, par contre, voilà, ça je connais. Et au niveau des musiques, j'ai joué qu'à la démo, mais... Au niveau des musiques, c'était vraiment appétissant, donc ça m'a l'air prometteur aussi d'un point de vue sonore. Qu'est-ce que je peux dire moi sur ce trailer? Donc on a Nini Spangle et Noël Nihiyashi.
Donc ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à Londres. Néanmoins, le nom de famille de Nihachi fait très nippon, hein, donc Kubo il aurait pu au moins jouer le jeu sur ce nom de famille là. Mais bon, ça, je radote pour très peu. L'aspect visuel des deux personnages principaux est très bien. J'aime beaucoup la blonde là. Noël Nihachi, on dirait un perso de hentai, hein, franchement. On va voir ce que ça va donner, mais ce perso... elle est plus énergique et une grande gueule, donc c'est plus marrant. Elle me hype plus que la meuf, que la brune là, donc on verra ce que ça va donner. Qu'est-ce que je peux dire des costumes, des décors et de la musique? Ben la musique, moi j'ai pas trop fait gaffe. Alors, je vais rejeter un coup d'œil. Ok. Bon, en ce qui s'agit de la musique, bah, du peu qu'on a vu, ça m'a pas l'air très... Bah, c'est dur de juger. Les décors, ils sont très beaux. On a une super planche avec des vitraux à la toute fin du trailer pour bien marquer le style occidental de l'œuvre. Franchement, j'aime bien la tenue là qu'on peut apercevoir, là, très british, si je puis dire. Non, d'un point de vue des décors, des costumes, ça m'a l'air très bien respecté. Vous me direz votre avis en commentaire, mais pour ma part, du peu qu'on a vu, et on va parler aussi des dragons. Alors les dragons... Ça j'espère que c'est pas un dragon parce qu'il est pas très charismatique ce dragon. Je crois qu'on en voit un autre. Il y a les dragons des... les montures. On a les montures des deux filles là, donc bon. Rien de folichon. Ah là, il y a un autre dragon. Ouais, c'est vrai qu'il y a un style un peu Pokémon. Bon, les dragons, on n'a pas vu grand chose pour l'instant, mais ça a l'air assez prometteur. On verra par la suite, hein, parce que les dragons, bon, je suis pas un fan de Fairy Tail, mais je pense qu'en anime, on a pu voir beaucoup mieux que le petit monstre là. Il ressemble au loup du début de Bleach en fait, donc là, il n'y a rien de fantastique pour l'instant. J'attends de voir par la suite ce que ça peut nous proposer là. Voilà. Pourquoi il y a une photo de Riruka là, vous me direz-vous? Parce que il y aura peut-être... ça c'est un fantasme personnel. Oh yeah. C'est pas Riruka en maillot de bain, mais c'est que j'aimerais beaucoup voir les Fullbringers, un petit caméo des Fullbringers dans Birds of Wish, parce que moi ce qui me ferait plaisir... Pourquoi les Fullbringers? Parce que dans Bleach, il y a les Espadas qui sont espagnols, les Sternritter, les Kunchi qui sont allemands, et un ami m'avait fait le petit parallèle avec les Fullbringers et leur stand, leurs pouvoirs qui sont anglais, leur Fullbring, Book of the End, Invader Must Die, Times, No Tales, Lie, je sais pas quoi. Et moi, ça me ferait plaisir de voir en petit caméo Yukio ou Riruka par exemple. Pourquoi Riruka? Parce que il y a un petit point en commun entre Riruka et nos deux sorcières là. C'est les armes là, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est pas passé inaperçu pour ma part. Donc là, je suis que dans du fantasme, de la fiction, de ce que tu veux. Il y a rien de concret, mais moi, je kifferais voir ces personnages-là, Fullbring ou autre de Bleach, hein, en caméo. Voilà. Parce que là, on peut voir une petite similitude entre les guns, les flingues de Spangle et de Riruka là. C'est, voilà, c'était un petit point que je voulais noter. Hein. Je rajoute ma science Bleach voilà, à l'œuvre, et voilà. Un petit caméo des Fullbringers, je dirais, pourquoi pas. Donc voilà, si cette petite réaction trailer est terminée, si je pourrais attribuer une note à ce petit trailer, je mettrais un... Je vais pas trop être pénalisant en mettant un 6, je mettrais un 7, hein, pour être sympa. C'est très beau, les dragons, voilà. Je suis pas un mec ultra friand des dragons, même si c'est quelque chose dans la culture populaire qui hype pas mal. On verra ce que ça donne par la suite. L'intrigue, on la connaît déjà. Hein. Les Shinigami de Londres qui chassent les dragons. Voilà, j'en dis. L'intrigue, on nous la donne de base. Après, pourquoi ces dragons sont devenus méchants? J'ai pas de théorie personnelle là-dessus. On va voir ce que ça peut donner. Moi, je suis très très confiant.
de Burn the Witch. Très beau, très prometteur. Voilà. Allez lire le scan si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est disponible gratos. Hein. Je mets un lien en description. Allez voir Pokémon Aile du Crépuscule et dites-moi vos théories quant à pourquoi les dragons sont devenus méchants. Vos théories d'épisodes, d'intrigue. Est-ce qu'on pourra voir des caméos des personnages de Bleach comme je l'ai dit précédemment? Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette petite réaction du trailer. Merci à vous et on se retrouve très bientôt sur la Gazette pour une nouvelle review ou information sur l'univers de Bleach et Burn the Witch. Salut les Nakama.